Et puis voilà, vous en voulez ôter. Elle dénonce une cible des géants. Je sais plus trop ce qu'on avait fait la dernière fois, mais on venait juste, je crois, de découvrir la carte, en fait. Je crois. Ah oui, et on venait de discuter avec ce monsieur-là. Qui veut que... Ah oui, qui nous a dit qu'il fallait qu'on sacrifie une nana. Réduisez l'arbre monde en cendres. Oui, tout ce qu'ils disent. Que puisse le chaos régner sur le monde. Alors le truc, c'est que là, je suis un petit peu dans une... Je dirais que je suis un petit peu... un petit peu des soucis. En fait, j'hésite. Soit je continue à explorer cette zone-là. Ce qui me plaît bien, hein, c'est sympa. Je nique un peu les yeux, mais c'est sympa. Soit... Je fais la suite, je retourne au manoir et je tue Ricard. Parce que en fait ça va être la suite logique. Et moi à la base je voulais... Déjà je galérais à tuer Ricard, ça me saoulait. Et en plus je voulais faire la zone qui a... Enfin je voulais finir les missions. Non, trop long. Non mais ça va. Oh putain, ils étaient bougés. Je voulais finir les missions qu'on nous donne et qu'on est censé finir avant de tuer Ricard. C'est ce qu'on m'avait dit. Mais du coup, bah, j'ai envie d'explorer aussi la zone. Je vais peut-être explorer un petit peu. Regarder des trucs, regarder une série, tu regardes quoi? Toujours obligé de me dire, à chaque fois je vais demander. Hein. Quand vous regardez un film ou une série, ou vous jouez un truc, à chaque fois je vous demande. C'était quoi? T'as rien raté, je viens de terminer ma session sur House Builder et puis là du coup je continue cette zone et j'étais en train de me demander est-ce qu'il faudrait pas que je retourne au manoir maintenant? Mais j'ai encore envie d'explorer un petit peu. Mais il va falloir que je retourne au manoir. Donc voilà, j'étais un petit peu en train de me poser des questions quoi. Déjà, il y a ceci. Ah oui, ici là-bas je me rappelle j'y suis allée, c'était trop chiant. Mais attendez, ça m'envoie pas tout là-bas hein. Un peu. Non mais c'est un truc plus proche, c'est pas possible. C'est pas bleu si beau. Est-ce que je tombe sur un rebord? Nah. J'ai 15 000 runes, ça va. Quoique là, attendez, on dirait trop un rebord où on peut tomber. Hein. Bon non, je tomberai pour rien. Je crois. Franchement, j'y vais quand même. Pire, c'est pas grave, on remonte. Et après, on va là. Et voilà. Il est sorti par la bite, celui-là. Merci Fabélian, Fabéliane. Merci. Merci Fab. Merci beaucoup. Non, mais j'étais concentré. Mais sinon, je sursaute pas chaque fois que quelqu'un pète. Je suis pas un canidé. Non mais c'est pas là. Non mais voilà, je testais. Je suis une aventurière du gaming. J'ai levelé depuis la dernière fois donc ça devrait aller mieux. C'est tellement dur Ricard en vrai. Ah je lag déjà. Ah, peut-être est-ce ici. Genre, là, il y a un petit... Pas du tout. Bonsoir, Lox. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir à toi. Merci du follow, très gentil. Bienvenue. J'essaye de voir un petit peu. Parce que, voilà. Là, il y a ça qui m'indiquait qu'il y avait une grotte, en gros. Quelque chose de caché dans le coin. Et je crois que c'était Infernalou qui m'avait dit il y a quelque chose... Ou Sam qui m'avait dit il y a quelque chose qui est resté derrière toi. Je crois que c'est là. Ouais, il doit y avoir quelque chose ici. J'ai pas besoin de faire ça. Ah oui, il y a quelque chose. Ah stop, hein, pas de lag au bord de falaise, j'ai dit.
Je tombe déjà suffisamment souvent seule. Ça, c'est mon côté aventurière. Je t'ai curé. Je vais passer un entraillard, Ricard. Bah, non, ça m'écœure pas, hein. C'est, je sais que je suis pas très douée, hein. Tellement en panique de pas y arriver, j'ai monté à fond les stats. Avec l'arc runique, l'armure qui va bien, talisman pareil. Alors, se upgrader en plus 4. Et les pierres sombres s'achètent à la table ronde. GG. L'œil de la bête. On va faire ça vite fait. Première run, tout à fait. J'en ferai qu'une, hein, je pense. Parce que moi, je, voilà, j'aime le slow run. Merci beaucoup, petit Jox. Enfin, je dis ça, ça se trouve non. J'ai testé House Machin tout à l'heure. Effectivement, c'est long, hein. C'est long. Ça m'a donné un peu mal à la tête. Je jouerai peut-être, malgré tout. Parce que je suis quelqu'un d'assez imprévisible, hein. Voilà. Non mais c'était important. T'as fait combien de maisons? J'étais à la maison en bois. Mais j'avais prévu de jouer à... Et donc la troisième. J'ai fait l'igloo, j'ai fait le truc après, et puis la troisième. La cabane, et puis là j'étais à la maison dans la forêt américaine. Mais je comptais jouer à Elden Ring aussi aujourd'hui, du coup voilà. Je vais me décaler. Une petite, voilà, je me pose une seconde, on va se... Attends. C'est pas ça que je vais faire. Ça m'a tout perturbé en fait, voilà. Il est sorti par la bite. Merci Marlowski, bienvenue. Merci pour cet adorable follow. Merci beaucoup. Inversé, vertique. Non, c'est pas ça. Attendez. Avant, je fais ça. Non mais voilà, je me trompe là. J'ai plus les touches là. Mais à force de jouer à trop de jeux manettes différents, JPP. Hein. Entre ça, entre Binding of Isaac et les jeux Nintendo avec la manette Switch, moi JPP. Hein. Moi j'en peux plus. Hein. Oh là là. Bon, je pense que je suis dans un endroit safe. Je vais refaire la pendue. Non, ça va. Mais... Ah, j'avais une queue de cheval, ça marchait mieux. Oh, c'est court! Pardon. Non mais c'est beau, ça, voilà, ça va, c'était ma petite seconde de folie, tout va bien. Non mais c'est que je me trompe à chaque fois, alors attendez, faut que j'inverse... Non. Faut que j'inverse comment? Transformer. Bon, c'est verticalement. Ah, c'était pas bon, c'était centré ça. Attendez. Sur me. Inverser horizontalement. Ah, là on a un bon début. Verticalement. Voilà. C'est bon. Il va nous lire dans ce sens. Tu serais étonné de savoir que, quel point notre cerveau s'adapte tellement vite. Là, j'ai même du mal à me réadapter. Merci, Mugubinda. Ça me perturbe à mort, ce plan à l'envers. Franchement, mon cerveau capte pas. Mais oui, mais surtout qu'en plus, on voit pas les choses de la même manière. Et du coup, j'avais vu une expérience avec une photo d'Adèle complètement modifiée, la chanteuse. Et en gros, et ben, quand tu la voyais à l'envers, elle te paraissait normale. Et tu la voyais en l'endroit, en fait, les yeux étaient complètement inversés. C'était trop bizarre. En fait, tu jouais à House Builder, j'ai confondu avec Builder Simulator. Ah! Et c'est bien Builder Simulator, parce que House Builder, c'est pas fou. En vrai. Je prendrais bien un jeu. Punaise, j'avais... Oh la vache, ils font super mal. Il va me tuer. Je vais me reconcentrer. La demi-femme s'est pendue. OMG! Je suis curieux de tester Builder Simulator. Bah d'accord avec toi. Je pense que ce serait plus sympa.
Bon allez, je me concentre. Yo, petit gars. Ok, petit. Il est là-bas. Voilà. Ah oui, ça a visé tout de suite celui-ci. Voilà. J'utilise un peu trop de magie hein, pour ce que... Merde, j'avais prévu d'esquiver. Énerve. Donc on explore un petit peu ici. J'ai entendu du bruit de toute façon. Bah là, ah oui, là y'en a un. Ça me demande vraiment beaucoup de mana ou pas? Un peu. Oh, par contre, punaise, ils me font mal! Oh là là, je résiste à aucun dommage quoi. Ah voilà, ça que j'aime bien, c'est quand j'arrive à faire mon... J'essaie de voir s'il y a des ouvertures, hein, des portes ou des trucs comme ça. Quand j'arrive à faire mon attaque spéciale, au moins, ils sont un petit peu choqués. Un petit peu, pas vraiment stun, mais en tout cas, ça les interrompt. Et je peux mettre un petit coup d'épée tranquillou après. Le truc qui est chiant aussi, c'est que... Je vais retourner à la table ronde, mais je crois que j'ai toujours pas ce qu'il me faut. Faudrait voir si je peux en acheter. J'ai pas de... Ça fait un moment que j'ai pas amélioré mon bâton. Ou mon épée. Non, mon bâton. Ah oui, d'accord. On descend très très bas. Ici, c'est ça. La porte semble être bloquée. Non, pas cela, c'est des connards. Merci, Yukiria. Merci pour le raid, c'est très gentil. Et j'ai pas besoin qu'on me spoil, les amis. Quand je parle de le backseat, moi je distingue, c'est des informations, des types de gameplay, des trucs comme ça. Donc voilà, je l'aurais vu s'il y a un passage sous l'ascenseur, je finirai par le voir, pas de soucis. Mais c'est pour ça que j'ai mis dans mon site, dans mon titre, spoiler pas tout comme des gueudins s'il vous plaît. Merci Yukiria, merci beaucoup. T'étais aussi sur Eden? Très gentil. Hein? Et... Hop. Je vais taper mon petit follow quand même, sinon je saurais pas qui c'est. Oui, sur Elden. Endgame plus. Et en coop. Est-ce que tu utilises le mode pour la coop de Elden ou pas? Parce qu'il y a un mode qui permet de faire un peu vraiment l'aventure à deux, totalement, quoi. Et moi, avec mon frère, on se disait, bah, pourquoi pas faire ça après? Parce que bah, lui, il a adoré le jeu comme moi, mais il l'a fini beaucoup plus vite que moi. Et moi, je veux quand même le terminer une fois avant. Il est sorti par la bite. Merci, Aurore. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Yes, ok. Ok, bah sympa. Le mode fonctionne trop bien, c'est un pur kiff. Oh, ah, ça me fait plaisir ce que tu dis, parce que les modes comme ça, moi j'ai des expériences sur Skyrim et compagnie. Bon après le jeu, il a un multijoueur inclus, donc ça devrait pas, voilà, ça devrait pas être pareil, mais il paraît qu'il est bien. Oh bah trop bien, merci beaucoup. Salut Oro. Dodo pour moi, bisous. Bisous. Hemoglobinda. Merci. Merci beaucoup. Dessine-nous ou le moustique t'a piqué. Mais j'ai même pas de moustique par chez moi. Bonsoir, bonsoir héros. Quel mode? Je sais plus le nom du mode, mais mon frère m'en a parlé en tout cas. Il m'est sorti par la bite celui-là. Merci Rudretel ou Tael, je ne sais pas. N'hésite pas à me reprendre.
va me dire comment qu'il faut que je le dise. T'as déjà fini le jeu? Non, pas du tout. Pas du tout. Il va exploser, je crois, cela. Je sais jamais ce qui explose. Non, ça va, pas de panique. Faut pas avoir peur, les viewers. Mission de 5 heures de coop, 0 bug. Trop bien! Ouais, bon, on va faire ça. Hein. Moi, c'est... J'avoue que voilà, je suis pas très New Game Plus, mais le fait de refaire le jeu en multi, sachant que de toute façon, j'ai raté plein de trucs, forcément. Ah, ça me plaira bien. Déjà, j'y avais joué un petit peu avec mon frère, mais bon. Bah voilà, c'est limité quand même. Là, tu es un boss, la personne se casse automatiquement. L'autre est très limité, tu meurs, l'autre dépop et faut te retaper les 5 minutes d'invocation. C'est quand même un peu chiant. Ok. Ah ok. Bah merci Rudretael. Encore une fois, un désolé si je mâchouille complètement ton pseudo. Pas volontaire. J'entends encore là-haut. Hein. On entend des queutrues. Je peux monter ou pas? Non, pas là. Je pense que ce sera avec l'ascenseur. Ah, peut-être pas, non, pas du tout. Ou peut-être complètement. Je marche sur un bouton aussi, il y en a un sur mon chemin. Je dis bien merci. Ah ok. L'outil intégré est extrêmement limité. Tu dois invoquer tes mates H24 dès que tu as battu un boss. Mais oui. Tu peux pas utiliser le poney. C'est vrai que ça c'est très chiant. L'autre ne progresse pas. Parce que mine de rien, bah voilà, moi à un moment, au début où on a testé le coop, bah on n'était pas très avancé, mon frère, moi, et puis j'avais testé avec mon copain aussi qui joue avec nous. Et en fait, bah ils m'ont aidé à faire un truc. Mais c'est vrai que pour eux, ça leur a rien fait. C'était dommage, quoi. Merci, Yuki! T'appelles Yuki, maintenant. Je connais bien. Je vous jure, ce mode est incroyable. Bah, trop bien. Franchement, ça me fait trop plaisir. Pardon pour les pavés. Ah non, mais moi, ça me donne des infos, hein. Comme je dis, je t'ai posé la question aussi, parce que, bah, on comptait le tester. C'est juste que moi, j'ai peur de s'il y a un souci ou quoi que ce soit, et puis même, vu... De ce que j'ai cru comprendre, on peut pas vraiment faire de sauvegarde. Ou peut-être que si, c'est juste que moi j'ai peur de... Du coup, je compte attendre avant de pouvoir y jouer en coop. Je compte attendre d'avoir fini. Mais bordel, ça m'énerve! Oh, et puis merde. Je savais trop. Non mais je voulais pas faire ça, j'ai ripé. Ah oh, ils font trop mal. Je fais n'importe quoi. Je joue plus que deux fois par semaine en ce moment. Et du coup, mais j'ai plus de réflexes, c'est ouf. Donjons, tu me plais. Ah bah les donjons, de toute façon, c'est chiant. Ça, j'ai après accepté. Ah, ça marche pas, si. Ça va. J'essaie de faire pareil, là. Avec lui qui rase le sol. Non, mais oui. Plus de mana. Arrête. Ah, ça repousse. Ok, j'ai 2 minutes.
Mon compas je l'aide, il n'arrive pas à passer le boss de fin. Si quelqu'un a un truc, on est preneur. Il utilise des invocations ou pas? Moi c'est ça que j'en utilise plus. Mais j'exclus pas de le refaire pour un boss où vraiment j'en peux plus quoi. Si si tout marche parfaitement. Du moins de notre côté. L'expérience est meilleure en New Game Plus, ouais, parce que je comptais faire ça, ouais. Après, sur l'aventure coop, tu peux jouer seul ou avec qui tu veux, pas forcément la même personne. Ouais. Oh, ça c'est bien. Le feu est physique. Punaise, c'est encore un truc avec le feu, mais moi j'ai pas de feu. Il me faut une arme qui a du feu. Je vais m'en occuper un jour. Mortel. Oh non mais non, mais j'ai paniqué pour rien, c'était un pot normal. Mais oui, c'était un pot normal en fait. Il n'y avait pas de petites flammes là, enfin. Oh, il est flippé. Petit pépé. Non mais je panique pour tout là. J'ai plus les réflexes. Et en plus on avance, plus les donjons sont chiants. Oh, oh non, il y a les grosses tumeurs là. Les furoncles. Les furoncles qui envoient plein de gaz. Mais j'ai plus de mana moi. Mais oui, mais c'est à cause de mes misclics aussi ça. Bonsoir, petit passage en coms et coms de soutien. Merci beaucoup, couille tendue, pour ton message. Et les invocations aussi, je les oublie tellement c'est fort. Bah c'est vrai que si tu galères trop à un truc, voilà. Moi, même si pour le moment, bah celui qui m'a fait le plus galérer, c'est pas le cas de tout le monde. Mais c'est mon cas à moi, c'est Ricard. Je l'ai pas encore fait. Et ben, j'ai pas encore terminé. Bah j'exclus pas. Utiliser une petite invoque comme une lâche que je suis. On verra. Les verts qui me rejoignent sur l'aventure comme ponctuellement et ça fonctionne bien. Mais c'est trop marrant. Et ça c'est facile de join alors. Parce que c'est ça aussi qui est important. Si tu mets 3 jours à paramétrer un truc. Vraiment j'en fais une game 0, pas une new game plus. Et cette fois je monte le perso level 400 dès le début pour en avoir plus rien à foutre des difficultés. Je sais pas si j'aurai la patience, moi. JPP du pseudo parfait ici, mais complètement. Jouer avec un pote au level. Oui, c'est vrai, hein. Honnêtement, jouer... Mais après, faut savoir que une invocation ou un pote, ça augmente la vie du boss. Donc ça peut être chaud. Lurk, ça marche. Merci à ceux qui sont live. My god, merci beaucoup, tes jeux sont magnifiques. T'es gentil. C'est moi qui me fais chier à leur donner cet aspect. Parce que je suis pas assez riche pour en quoi faire et je me suis trompée. Non, non, je me trompe de popo. Oh, et puis merde, tant pis. Bisous, Gueno, bonne nuit. Easy to join si la personne a installé le mode. Ok, bon, nickel. Parce que ça aussi, sur d'autres jeux, qu'est-ce que c'était chiant. Voilà, bah non, je te vois pas. Bah, tu devrais me voir. Bon, refresh. Ah, c'est bon, je suis là dans ta partie. Bah, je te vois pas. Bah, si, je suis là pourtant, regarde. Bah, non, moi, je te vois pas. Vas-y, fais un truc. Ah, ouais, ça a bougé. j'ai eu des longues sessions sur Skyrim Together. Ah, on a insisté. Hein. Faut vraiment que j'arrête, par contre, de marcher sur les interrupteurs. On a longtemps insisté, mais au bout d'un moment, on s'est rendu à l'évidence qu'on n'aurait pas assez de patience. Vas-y, viens. Allez, viens. Je dis, invoque une fois sur deux, je me sens pas lâche. Non, mais non, c'est que moi déjà, je suis à distance. Alors le fait d'utiliser en plus des invoques, je sais pas. J'ai l'impression d'en faire trop.
juste pas envie de passer 15 ans sur un boss. Comme à deux jours là. C'est pour ça que j'ai pas rejoué. Bah Ricard, c'est ça. Hein. Mais moi, comme je dis, voilà, je suis quand même beaucoup à distance. Distance. J'ai la mimique sur tous les boss de fin. C'est ok. Osef, tant qu'on prend du plaisir, oui, ça c'est vrai. T'en es où concrètement? Je vais vous montrer. Je viens juste d'arriver dans cette zone. Dans la cime des géants. Alors au départ, j'ai fait ça. Un petit peu, voilà. Puis après, j'ai découvert cette zone-là. Et en fait, bah ici, je savais qu'il y avait un truc qui était indiqué par une main, là, les statues en main, là. Qui m'indiquait qu'il y avait un truc dans ce coin-là. Et du coup, je l'avais pas fait, donc là, j'y suis. Et du coup, au niveau des boss, bah, j'ai pas fait Ricard et les autres, je les ai fait. Et je viens de finir la capitale que j'ai essayé d'à peu près bien faire. Mais franchement, entre les égouts slash souterrains, plus la capitale et les toits, voilà, je pense que j'ai forcément loupé des trucs. Même autour de la capitale, regardez, j'ai aucun point. Donc vraiment, c'est sûr que j'ai loupé des trucs. Mais en tout cas, au bout d'un moment, à force de tourner en rond dedans, je me suis dit, bon. Nous allons passer à autre chose. Ce serait bien. Ce que je fis. Sur certains postes, il fait beaucoup de travail. Mais en vrai, non, mais l'invocation, en dehors de ça, elle augmente aussi la vie du boss. Hein. Faut savoir ça. Donc même s'il y en a qui sont super... voilà, super... super cheatées quand elles sont améliorées, mine de rien, on sait qu'on peut le payer aussi, quoi. La grâce de la prison n'est pas rien. Ouais. J'ai sacrément exploré les égouts. Oh, mais j'en ai tellement chié sur un de ces trucs. Il y a certains... Le boss qui pop là quand ça fait ding ding et puis il arrive sur le... Il arrive d'une sorte de portail au niveau de la terre. Il sort et puis il a plein de bras. Il s'excite sur toi et tout. Dans les égouts j'en ai vu un mais il m'a fait passer tellement de trucs. Oui, oui, là, Sam, par contre, il arrive à un stade où il veut finir le jeu. Je sais pas, moi, j'avais mon stream, j'aurais vite fait. Oui, oui, bah merci, non mais vas-y, Wiki, pas de soucis, je comprends même qu'à ce moment-là, on a autre chose à faire. C'est adorable, en tout cas, merci pour toutes tes infos. Et puis, merci beaucoup, beaucoup pour le raid. Passez la voir, j'ai vu qu'elle faisait aussi du Zelda. Breath of the Wild. Ou bah, une personne avec un goût évidemment supérieur aux autres. Monde souterrain. Alors. Je fais ça. Ah, je sais plus ce que c'est. Il y avait un boss. Oui, il y avait un boss. Je fais ça. Je fais ça. Ça. J'ai mis du temps avant de pouvoir explorer. Et je fais ça. Oh là, il y a un truc. Pourquoi j'avais mis un truc là? Je sais plus. Je sais plus du tout pourquoi j'ai mis un truc ici. Donc je pense que... je pense qu'il manque des trucs, hein. Mais difficile de savoir. Attendez, j'ai bien tout exploré ici parce que là je commence à repartir mais... Ça m'a vraiment servi à rien d'explorer ici. Bah de toute façon j'ai plus de mana donc je vais être obligée de partir. Ah si, il y a ça là-haut. J'avais pas vu ça. Ouais c'est ça, j'avais pas vu. Faut que je discute, j'avais même pas vu. Bah si, il y a ça. On discute. En parlant, je me rends même pas compte de ce que je fais. Et là, là, il y avait ça. Voilà, c'était ça que je voulais tester. Ah, et j'apparais ici. Ok. J'ai l'impression que c'est de plus en plus grand aussi ici. Ça m'arrange pas, quoi. J'ai plus de popo. Mais je vous avais pas vu, vous. Enfin, si, un petit peu quand même. En vrai, je vous avais vu. Ça sent le truc activé ici, la petite statue là. Non? Il y en a un autre? Un autre. J'ai plus de mana. Comment tu les fais au cac, ceux-là? Ils sont affreux! Moi,
je peux pas. On peut même pas les viser parfois. Tout à l'heure, je pouvais pas. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est bon. Je te fais pas. Et là, si je remonte, j'atterris où? Parce que eux, ils étaient pas là tout à l'heure. Donc ça veut dire que je suis peut-être dans une autre zone. Je cherche la merde un peu. J'avoue, là, je cherche un peu là. J'atterris là. Ok. Ah bah non, mais là, c'est autre chose. Ok. Compliqué, hein. On peut paniquer. Non, mais putain, je fais pas gaffe. Oh, je suis trop loin. Papa, je vais juste me faire à manger. Ouais, mais je me dis que t'as peut-être autre chose à faire. Merci de rester. L'aventure d'Elden Ring ne peut pas être imaginée, seulement vécue. C'est beau ce que tu dis, putain. Lâche pas et courage. Merci, ou tendu. Pense à t'hydrater. Pas con. Let's go. Let's go s'hydrater. Bon. Ouais, faut que j'économise. Mais faut que je fasse gaffe parce qu'ils foutent du saignement. Et c'est pas cool le saignement. Il est sorti par la bite, celui-là. Merci Couille Tendu pour le follow. Merci beaucoup. Merci, bienvenue à toi. Couille. Tu as été fait pour mon sample. De juste plus du tout vider. C'est ok. Voilà, on va économiser un peu. Bon, j'avais 30 ou 40 000 runes, donc on va essayer de la récupérer quand même, je vous en bonne nuit. Je vérifie quand même. L'ascenseur là, il fait toute la largeur ou pas du truc? Non, je pense pas. Non, mais vise plus haut, toi! J'ai cru, j'ai voulu tester. Petite popo, hein. Le sort au sabre que t'envoies, tu es où? Mais en fait, c'est le sabre qui fait ça. Ah! C'est le sabre qui fait ça, oui. D'accord. En fait, il n'y a pas du tout de passage. Ok. Et c'est l'éclipse lunaire, le sabre. Me demande pas où je l'ai eu, j'ai bu. On me l'a dit en plus où le trouver, mais l'aventure est tellement longue, moi j'oublie tout. Hein. C'est chiant. Je vais mettre des petits sorts déjà pour essayer de voir si... J'ai pris une popo de soin, putain, je me déteste! Merde, les lags!
Bon. J'arrête de faire Navoc. Ce sera sympathique, ça m'aidera un petit peu quand même. Mais voilà, ouais, tu regardes Sabre de l'éclipse lunaire, hein, je vais te redire. Éclipse lunaire. Et tu vois où il était, parce que je me demande s'il était pas à l'académie, mais je suis même pas sûre. J'en veux plus. Mais ça, c'était des... Que ce soit ça ou mon bâton, ces trucs, bah, je les avais pas trouvés, en fait. Et on me l'a dit, on m'a dit, non, mais faut que tu te... Il y a d'autres trucs qui sont vachement bien pour toi et tout, tu devrais voir ça, ça. Je fais, mais ça, j'ai pas. Il dit, bah attends, on va t'aider. Y'a pas de passage. Y'a pas d'autre, hein. Tu me taperais dans le dos, là. Trop stylé, il était tout en ferraille. Tout en métal. C'était trop classe. J'entends du bruit, hein. Ah, mais c'était dessus. Et de ce côté, les pots que j'ai vus, ils explosent. Mais celui-là, ils explosent pas, alors c'est easy. En vrai, pourquoi je les tue s'ils me font pas de mal? On pourrait faire toute une desserte là-dessus. Mais je pense que notre personnage est un enfoiré, ça justifie. Bon! Y'a eu qui m'agace. Oh! Trop mal. J'ai été obligé de faire autrement. Hein. Parce que là, il m'aurait tué. En fait. Du coup, je vais me heal, hein. On va arrêter les conneries. Si, plein de mana pour rien. Ça m'énerve! Ok. J'ai utilisé beaucoup de mana quand même. Je fais qu'en monter alors. Ah oui, il y a eux. Eux, on, franchement, on s'en fout, non? Peu, hein. Ouais, un peu. Je suis carrément étonnée que t'aies si peu d'améliorer de potions. Il y a plus 6. Bah oui, mais c'est ceci dit, j'arrive pas à augmenter plus. Il me manque un truc depuis longtemps maintenant. Mais ça me saoule. J'ai pas ramassé l'arme de vie aux églises. Si. Bah après en popo, je sais pas, je suis censé en avoir combien moi. Je suis à plus 6 en... Je suis à plus 6 en vie, mais moi j'ai 7 en mana. Hein. Et je pense que c'est ça la différence, c'est que bah toi tu mets plein en vie, mais tu mets beaucoup moins en mana, mais moi j'ai besoin de la mana.
Je pense que par rapport à un gameplay autre, bah, je vais avoir beaucoup moins de popos de vie que quelqu'un de... que quelqu'un qui fait pas mage, quoi. J'imagine. Tous les fioles... J'en ai 12. Ah, elle est partie comme toi. Par contre, mes fioles... Ça a plus 10 ou plus 11. Ah ouais. Ça, je sais pas comment savoir. Ah ouais. Plus 6. Ah oui, d'accord, pardon. Bah, pas moi, hein. Moi, c'est pas comme toi. Moi, je me tire. Franchement, je me tire. Ah, ils sont là, mes trucs! Ils s'excitent très vite, par contre, hein. Ok, bisous Farnalou. Notre personnage est carrément un enfoiré. J'ai un peu pensé à un moment qu'on redresserait la barre en devenant seigneur d'Elden. Leur sauveur, mais non. On avance dans l'aventure, on est des gros enfoirés. Mais de toute façon, on ferait, c'est un peu les choix qu'on fait. Hein. Enfin, moi, j'ai choisi les pires trucs, j'ai l'impression. Voilà. Tant pis, je pensais qu'il se ferait couper, mais ça n'a pas été le cas, mais c'est pas grave. Punaise ! Ok. Bah c'est bon, j'ai récupéré mes trucs ? On va dire que oui, hein. Ok. Je fais que tourner en rond, j'ai l'impression, ça se met un petit peu. Ah, d'où je viens ça? Ah, c'est trop dégueu. Non mais tu continues pas à avancer, tu vois bien qu'il y a des soucis. On avance pas. Bah on va regarder du coup dans le petit creux où je peux aller, hein, on va y retourner. Peut-être que je tue le gros furoncle aussi, mais j'ai pas envie. Hein. C'est un sac à PV ça. J'ai même pas regardé avant de sauter, moi je saute comme ça. Ah mais mince, c'est un raccourci en fait. Ah ouais, mais je... J'ai déjà venu ici. Ah, à tous les coups, il fallait que je tue le gros furoncle et je l'ai pas fait. Et du coup, ça m'aurait fait revenir près de la porte, mais là, je l'ai pas fait. Bon. Et bah, c'est pas grave. Faut que j'aille par où, là, du coup? Ouais, ça, ça me mène à la porte. Ok. Bon. Et bon, on refait un petit tour. Quand de vrai qu'on trouve aux arbres, apparemment, pareil. T'as davantage de mana que moi. Et moi, de vie web, c'est normal, ouais. Bah, les larmes, moi, je sais pas. J'en ai pas... Effectivement, j'en trouve pas souvent. Ça, c'est vrai. Mais je savais pas que c'était que dans les églises ou forcément dans toutes les églises. Je savais pas du tout. Oh.
Ouais, je préfère aller doucement là. On a tué les mobs en plus, on peut prendre le temps. Je vérifie si ici j'ai un zappé. Et ils sont là, peut-être que je les fasse quoi, j'en sais rien, je tente. Ah mais un tout gros maintenant tout le temps. C'est vraiment immonde. Hein. Je me doutais que ça lui fera pas grand chose. Non. C'est dedans là. Voilà. Non ! Oh, j'en ai marre ! Je peux aller jusqu'à 14 fioles. Ok. Ok, ok. Ton perso est pas forcément un enfoiré, ça dépend ce que tu décides. Moi, je suis un enfoiré, moi. Franchement. Bon! Il m'énerve! Mais je perds beaucoup trop de mana pour ça là. C'est pas plus si beau ça. Alors, un truc que vous avez raté, vous avez la flemme de chercher par vous-même, utilisez la carte interactive Extra Life. Ok. Good to know, good to know. Bordel, ma magie pour rien, ma magie pour rien, là! Oh non, et puis les trucs explosent et tout. Hein ah, Queen avec de l'écho. J'aurais peut-être pu monter là, hein. Peut-être plus rapide, hein. Je sais pas. Mais gros furoncle, une fois que j'aurais fait, qu'est-ce que ça... Ouais, bon, je suis pas sûre que ça m'avance, on verra. J'ai déjà exploré ici, on refait cet immense tour que je passe mon temps à faire là. Et ce qui explose. Ah putain, je pensais pas qu'il m'atteindrait. Ok, j'ai de la chance.
Mais bordel! Ok. Mettre plus de popo de mana. Ah ouais, ils font mal au cac. Vache. Ouais, cette armure, c'est la mieux. Hein. Voilà. Ça m'a servi à rien, mais je sais pas. Je me suis dit peut-être que... Peut-être. Ou peut-être pas, quoi. Non, moi, j'étais allé direct là, c'est ça? Bah non. Je sais plus. Attends. Je regarde au-dessus. Si, peut-être, hein. Allez, je retente. Je tente. C'est portélique de fou. Je suis perdu partout. Je m'y retrouve pas du tout. Je tente, mais... Mais je pense qu'en fait, là, j'ai fait un tour complet. Ah non, il y a eux. La fille du châtelain, mais ouais, mais ça c'était au début, ça. Passe à autre chose hein, maintenant. Le monde est difficile. J'étais dans la range. Ok. Je prends zéro risque. C'est déjà trop long. Là j'arrive là où il y avait mes runes, c'est ça, c'est bon? Ça c'est le bon étage. Le bon étage. Non, sors, voilà. Oh, ça m'a tellement touché. Mais putain, c'est sérieux ? The bordel !
Ça c'est fait, mais ça me sert à rien. Comme je m'en doutais. Je sais pas, je me suis dit peut-être que je sais pas, faire apparaître un truc. J'hésitais fortement. Bah pour le moment, c'est pas foufou. Donc on va remonter là. Là, il y a lui. Ici, il y a R, quoi. C'est ça qui me dérange. Il n'y a plus rien à partir de là. Du coup, bah, je peux redescendre et là, je descends tous les étages, quoi. En gros. Ouais. J'imagine qu'il y a un endroit où je vais pouvoir remonter encore, mais je sais pas comment. Parce que si je descends là, je vais atterrir au même endroit, donc ça va pas m'aider. Je sais pas. Courage, merci! À la fin de ma game, je me suis amusée à tuer le plus de PNJ possible pour voir. Donc désolé, je suis un monstre. Trop marrant. Je comprends. Je respecte. C'est un raccourci. Je retente parce que j'étais pas sûre. Maintenant, je commence à être un petit peu sûr quand même. Quelle conne! Oh bordel, je suis débile! Je pensais que j'aurais un petit peu de temps. Eh ben non. Eh ben il y a un petit peu de temps. Je vais voir si tous les PNJ pourraient être tués. Spoiler alerte, oui. Ok, c'est bon à savoir. Ah oui, l'église des vœux, oui, il m'en avait parlé. Il faut que je me remette sur une scie parce que bon, pour le moment, je vais pas trop tester. Bon, en tout cas, j'ai tout nettoyé. Donc maintenant, on va pouvoir fouiller tranquillou. En espérant pas faire de conneries, notamment avec ça, mais là il me manque un truc. Hein. Ils sont morts, hein? Ouais. C'est bizarre. Il y a plein de monstres qui dépop, mais eux ils dépop pas, ça me stresse. Ah, j'en ai marre des trucs avec des salles en miroir là. C'est-à-dire que t'as exactement la même salle avec juste quelques trucs qui changent. C'est très chiant. J'entendais pas. J'entendais pas derrière. Ça m'aide pas du tout. Donc là, j'ai pas le choix, d'accord? What? Ah, c'est celui-là. J'ai que ça à faire, en fait. T'as raison. Mais là, je vais pas pouvoir avancer en fait.
Le jeu considère qu'à ce moment-là, je suis censé avoir résolu l'énigme. Ah oui, bah oui, j'avais pas fait ça, j'avais oublié. L'équipement me fume. Effectivement, j'ai préféré le swag à la véritable protection. Et je peux descendre, mais d'abord on va explorer ici. Elle fait sa jolie. Oh, je l'ai éclaté. Merci! Ah, c'était inutilement trop long! Une porte s'est ouverte quelque part. Et là, du coup, j'ai. Ah, mais oui, j'atterris là où il y a des. Mais ouais, mais je vois total, ouais, ok. Mais j'avais vu qu'il y avait quelque chose au-dessus. J'avais vu. Pourquoi je suis descendue? Pas que je descende en fait. Bah non, fallait pas. Et bah c'est pas grave. Ok. Bon bah c'est bon, on va pouvoir aller, aller faire un petit dodo à se reposer, puis on va ouvrir la porte. Donc, clairement, j'ai fait ma armure. J'ai fait ma game en armure de Radan. J'ai même pas prise. Non, moi je... J'aime quand mon armure a voilà, un côté unique, quoi. Là, l'avantage, c'est que dans ce petit bidon, bah, je peux cacher des trucs. Là, c'est pas partout. Je vais aller faire dodo. Oh, ça va être long. Bon, tant pis. Là aussi, il faudrait que je descende. J'irai. Oh, c'est loin! Oh, c'est trop loin! C'est trop loin, ça se trouve, il y en avait un plus proche. En descendant dans la salle du boss. Mais d'habitude, c'est pas le cas, du coup, j'ai pas osé. Tu veux passer un niveau? Ou pas? Je me trompe de tout, ça m'énerve. J'ai combien? 88 mines. Peut-être bien en vrai, hein. Bon, quasi. Attendez. On va régler ça. Et je fais fabriquer. J'en prends un comme ça. 2005, je me souviens ça. Non, ça suffit pas, c'est ça? Ok. Montée de niveau. Vigueur, esprit, endurance, intel. Esprit. C'est bon. Bon. Alors, faut que je fasse attention à la du monde. Là, il y a du monde. Oui, je m'en fous. Ah ! Yvonne Denuser ! Vas-y, sautez ! J'ai raté. C'est pas grave. Il n'y avait pas de feu ici. Hein. Il y en avait peau. C'est quoi ça? C'est du loot.
Bon, let's go. Je vais prendre ça. Oh non, pas eux, non. Mais j'ai pas de feu, putain de sa mère. Non, trop long. À chaque fois, le feu, je galère à l'esquiver dans des petites salles comme ça. Oh, ça va être trop chiant. J'ai pas fait beaucoup, hein. J'en ai marre de ces mobs-là, là. Ça fait 30 fois que je le vois, ce putain de dragon. Le feu, c'est bien. Mais grave, en fait, si t'as pas le feu, mais t'es vraiment qu'une merde dans ce jeu. Qu'est-ce que je peux avoir comme équipement? J'ai rien, en plus. Est-ce que j'ai une seconde arme qui fait du feu? Mais genre, je peux en mettre aucune. Toutes ces armes que je peux de toute façon pas mettre. Rug Viper. Une torche. C'est les miss qui pourraient m'aider. Une putain de torche. C'est quoi ça? On pousse les ennemis. Super. Mais super, hein? Ah, mais ça m'avance bien. Les gants du scorpion, c'est quoi ça? Ah non. Je pensais que c'était du feu sur la lame. Non, bah voilà. J'ai pas d'épée. D'armes que je puisse équiper là et qui soit qui ait un coup spécial de feu à part truc barbelé là. Je vais regarder ce que c'est ce truc. Tu peux mettre aussi les cendres sur les armes. Ouais. Bah pour ça, faut que ce soit une arme qui a pas d'amélio quoi. Et que je puisse mettre. Il y en a pas non plus 1000 hein. Toutes les armes qui ont déjà une capacité, je crois qu'on peut pas. Hein. Qui ont déjà une compétence. Enfin, j'en sais rien après. Genre, imaginons, je prends une épée comme... Une épée... je sais pas... L'épée de Rugi. C'est ses dagues. Épée courte. Épée de chevalier de carrière. Si c'est une sorte de garde neutre, tu peux. Ok. La plus 8. Je l'ai déjà passé ou pas? Oui. Je recherche, je retourne. Fait de la nuit ardente.
Ça c'est des rouges, ça sert à rien de regarder, ça sert à rien. Pénable de putréfaction. Hein. Faucon. C'est une rapière. Mais elle s'appelle épée de rogier parce que en fait moi c'est ce que je cherche. Après j'ai un truc de flamme. Ça a l'air pourri mais je sais pas. Tenter hein. Non, pas cela, c'est des connards et je joue pas avec eux. Merci Gilles. Merci beaucoup. Merci, excuse-moi, je suis en train de faire du tri dans mes armes. Enfin, du tri, pas du tout, je cherche une épée en particulier. Épée, épée. C'est une rapière. Ouais, j'ai plus 5, mais j'ai pas vu de plus 8, hein. Merci beaucoup, ça s'est bien passé alors sur CS? Ça va, t'as progressé, puisque tu testais un nouveau mode, alors moi j'y connais R. Hein. C'est ça alors? Les rapières, elles sont ici apparemment. Moi je l'ai pas en fait, de qui vous parlez? Enfin désolé, hein, je... Il y a un truc que j'ai... qui m'échappe, mais je vois rien qui s'appelle le truc de rogier en fait. Mais je me suis amusée. La glace ça marche aussi sur eux. Hmm. Ouais mais j'ai pas de glace, enfin de toute façon que ce soit l'un ou l'autre, faut que j'ai de quoi faire. Mais non mais j'ai par exemple l'épée de... Ah mais l'épée de caresse ça peut être bon. Par récup du coup. Bah ouais ouais. Non je pensais qu'il me disait ça parce qu'il l'avait vu. Sam. Pendant que je défilais. Mais non. Du coup. Et puis pour imprégner une essence divine, ça c'est pas neutre. Ça par exemple c'est neutre. Ok. Les trucs de troll, ah je sais pas. Bon. Genre le faucon, fauchon. Hop! Dans ton jeu, il y a un bruit que je ne peux jamais me faire, je déteste. Le bruit de la perceuse du voisin, à côté. Ça fait à personne? Ça dépend, tu l'entends quand? Parce que là, dit comme ça, j'avoue que ça me dit rien. Et je comprends, hein, des fois, dans ta tête, la perceuse. Ah, mais c'est possible, c'est possible! C'est pas un soir où t'as fait la tête de mine dans la cité pour que t'ailles parler à Rogier au balcon. Mais je l'ai pas trouvé, en fait! J'y suis allée, je ne l'ai pas trouvé. Il y était pas, donc je peux pas l'inventer, Rogier, hein, désolé. Hein. Alors, faut que je l'imprègne d'un truc, mais je sais même pas comment on fait... je crois qu'il faut que je mette en raccourci quelque chose. Genre toi, je te change de toute façon. Changer. Il faut que je mette un truc que je puisse utiliser. C'est quoi déjà? Je dois pas avoir. Le choc t'entends en fond. Cendre de guerre, lion de flamme. Ah, attends, faut que je mette une cendre de guerre. Ah oui, j'ai jamais fait ça, désolé. Vu que bah, ça a jamais marché pour aucune des armes que j'ai. Du coup, je vais dans inventaire. Et les cendres, elles sont où? C'est ça? Non, c'est pas ça. C'est ça. Cendre de guerre, flamme de lion rouge, c'est ça que tu disais. Ok. Mais merde! Comment je fais? Ah, ça se fait au feu de camp, c'est ça? C'est ça? Ok. Ouais, mais quand on joue match, du coup, c'est vrai qu'on fait pas beaucoup ce genre de truc. Enfin, en tout cas pour moi. Donc je savais pas. J'ai ça ou j'ai ça?
Écoutez, je teste. Hein. Ok, et maintenant... Yerf. Ok, c'est un peu lent, mais ça devrait être pas mal. Je recharge mes trucs et puis on va tester le... Je deviens folle. Est-ce que c'est ça... C'est ce bruit-là? Alors c'est très léger là parce que normalement vous l'entendez pas fort, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça le son qui te fait penser à une son, un son de perceuse chelou? Non, pas le changement d'arme, ok. Parce que c'est très... C'est pas un son très agréable pour autant, hein, donc je peux comprendre que ce soit ça. Merde. J'ai pas appelé le truc. Non mais attends, j'ai pas le temps, laisse-moi tranquille. Mène ton cul! J'utilise beaucoup trop pour rien. Descends vite, descends vite, descends vite, descends vite, descends vite. Ah, toutes les 20 secondes. Alors là, tout de suite. À moins que ce soit dans le champ, un bruit aigu. Là, tout de suite, je ne vois pas. On va m'appeler Jeanne d'Arc, mais oui, j'ai du mal aussi à imaginer de quoi tu parles. Ça me stresse. Allez, on prend les putains de runes. Ça va être un coup dans l'eau, hein. Parce que c'est vraiment à chier. Je veux dire, l'arme est trop pourrie, quoi. On s'entend, j'entends des sons qui me crispent aussi. Ça revient en boucle. Mais tout le temps dans le jeu, tu l'entends ça, Dilo, à chaque fois que tu viens sur le live? Genre là, tu l'as entendu, par exemple? Non, bah tant pis. Hein. Franchement, j'y arriverai mieux comme ça. C'est pas grave. Non, il va me taper. Je vais le faire remonter après là. Sur tous les lives d'Elden Ring, même moi. Et même moi quand je jouais. Punaise. Le souffle du dragon. J'avais un autre truc mais ça s'appelait pas comme ça. J'ai rien en foi en attel. Mais non mais j'ai vraiment rien du tout en attel. Faut arrêter avec moi, j'ai quasi t'as plus de foi que moi. Je suis le build qui en a le moins. J'en ai que 7. Et du coup, bah, les trucs que je peux faire, ils sont extrêmement limités. Hein. Ah, non, je peux pas faire ça. Je l'avais acheté en espérant que je pourrais le faire. Voilà. À chaque fois, tu me dis, oh, t'as quoi en foi? Non, parce que moi, j'aime pas beaucoup et tu pourras peut-être faire ça. Non. J'ai vraiment le build qui a le moins de foi. De très loin. J'ai même pas 10, j'ai 9. Arrête avec tes trucs de foi. Je veux pas mettre des putains de points dans la foi.
faut mettre méga fort pour que j'entende pour entendre les bruits en arrière-plan. Moi, je mets assez pas fort, enfin assez léger le son en arrière-plan. Un truc que j'entends en fait, je me demandais même s'il n'y avait pas un truc qui vivait dans ma tour. J'ai compris que c'était... Mais what the fuck? Après, c'est vrai que voilà, moi j'écoute jamais le son du jeu ultra fort non plus. Je voulais pas faire ça? Oh, et puis... Non mais ça va augmenter la vie du boss, ça m'arrange pas du tout. Ça va rien lui faire en plus. Ça va mourir tout de suite, aucun intérêt. Je voulais pas du tout faire ça. Je me suis trompée en fait, je... Un réflexe du passé que j'avais là. J'ai très peu de runes donc on s'en fout pas mal hein. Putain, j'ai voulu anticiper, j'ai pas réussi. Je ne vois rien en fait, la caméra, allô ? Merci, fantastique. Impossible de voir son putain de mouvement, c'est horrible. Il m'a bouffé, je suis dead. Il me relâche avec un PV, donc forcément je meurs à cause du feu. Bonne nuit à toi, ciao, 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 ciao. Dégage. Ouais, moi je peux pas imprégner mon arme. Et en fait, vu que j'ai rien en... Oh, ils m'ont défoncé. Vu que j'ai rien en force... c'est plus intéressant que je garde une arme comme ça parce que en fait je fais zéro dégâts avec les armes qui nécessitent de la force. La preuve, hein, c'était pour ça que là c'était tout pourri. J'adore. Ah, c'est chiant d'être obligé de se taper tout ça à chaque fois. Il faut que j'aille, oui, faut que je continue. Elle peut mettre en neutre, elle peut en feu son épée. Oui, mon autre épée, mais je ferai. Enfin, je pense que je ferai pas plus de dommages, malheureusement. Cherche un autre katana. Oui, voilà. Apparemment, tu peux le porter. Ouais, mais celui-là, il fait du dommage parce que il prend aussi dans mon intel. Avec un autre katana classique, en fait, je fais beaucoup moins de dommages parce que je peux pas utiliser mon intel. Bah en soi je pense que c'est de toute façon pas intéressant quoi. Voilà. Non mais là après je peux le passer, faut juste que bah que la caméra arrête de se foutre de ma gueule et que j'invoque pas. Bon, augmenter la vie du boss gratos ça me chauffe pas. Allez. J'en ai déjà fait plein des comme ça. Hein. Malheureusement, bah évidemment, c'est sur cela que je tombe quoi. Allô ? Ça me saoule. Allez, s'il te plaît, mène ton fion.
Dommage, j'aurais pu taper, mais là je sais pas. Oh merde, j'étais dedans encore, je pensais pas du tout. La patience et pas la gridance. Bon, ça va. J'avais peur de faire en beaucoup plus de try, donc is ok. GG, merci. Merci beaucoup. Ah, la main du vieil est basée sur Atel. Je résiste pas énormément à la magie. Ça peut passer. Oui, oui, ça va. C'est juste que bon, les mobs super sensibles au feu, j'ai l'impression de croiser plus que ça maintenant et ça me saoule. Merci Oki, merci Fab. Merci beaucoup! C'est très doux. Mort et fleur. Je voudrais voir ce qu'il y a. Mais c'est chiant. Il faudrait que j'aille très vite. Je voudrais voir ce qu'il y a au pseudo deuxième étage, là, juste au-dessus, quand je prends l'ascenseur. Mais faut que je me dépêche. Ah merde! Je descends? Je voulais pas descendre. Hein? Hein? C'était un câble. Y'a quoi ici? Ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien d'être ici? Really? Parce qu'elle a bien mangé, j'ai l'impression. C'est mon armure. Elle protège mon bidou. Et bonjour. C'est Obi-Wan Kenobi, c'est ça? Un L. Un L. Sur cet écran-là, je vois mal. Bon bah voilà. Je voulais voir, mais j'ai vu. Allez, on se tire. On a combien d'heures de VOD, là? 1h30. On va l'arrêter, hein. Bisous VOD. A plus, tchuss. Bye. C'est bien.